avez déjà entendu parler des appartements hantés? Il y a pas mal de personnes qui disent que leur appartement il est hanté, qu'ils ont entendu des bruits, qu'il y a des verres qui se cassent, des assiettes qui se cassent un peu partout, on sait pas comment, on sait pas où, on sait pas qui. Et ben moi aussi j'ai trouvé un appartement hanté. Et si, ouais je vous jure, alors. Mais Jolate, tu dis ça parce que tout le monde dit que leur appartement il est hanté. Et ben non, je vous jure, j'ai trouvé un appartement hanté. Voilà la radim, les restarfoula, je vous jure, j'ai trouvé un appartement hanté. Je sais même pas ce que ça veut dire starfoula. Je vous jure, regardez, j'ai même sorti mes paires de jumelles et tout. Je vous jure, cet appartement en face il est hanté. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs pas bien qui se trament. Ah ok d'accord, tu joues à Hello Nightbor. Eh bah ouais, mais ça veut pas dire que l'appartement de Hello Nightbor il est pas hanté mon vieux. Eh on sait pas. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, s'il est hanté ou pas. Moi je pense qu'il est hanté. J'y crois moi à tout ça, le paranormal et tout machin. T'inquiète. Et je peux te dire qu'il y aura pas de fake dans cette vidéo mon vieux. Je vais tout filmer. T'inquiète même pas. Regarde la tondeuse. Je vais la ranger là. Je vais la mettre là. Tiens. Voilà. Regardez ça. Je crois bien qu'elle bouge toute seule cette tondeuse mon vieux. Elle est hantée la tondeuse. Alors je vous avais dit que je referais une petite partie dessus. Donc voilà qui est chose faite. Vous me l'avez pas mal demandé en commentaire. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà fini le jeu. Mais je l'ai fini vraiment vite fait. C'est à dire que moi j'ai speedrun le jeu carrément. Je me suis pas attardé dans les autres pièces. Mais apparemment les développeurs ils ont caché plein de petits secrets partout. Eh ouais, et il y a peut-être un fantôme à l'intérieur. Il est peut-être hanté. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'attaquer au secret de la maison. Ça va être un spécial secret story mon vieux. Regardez-le, il a foutu des planches mon vieux. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à aller visiter les autres pièces de la maison. C'est-à-dire que je connais le chemin par cœur pour aller chercher le petit crochet, ouvrir le cadenas, ouvrir la porte et puis voilà. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. Attends. Ça marche pas ? Qu'on fait? Merde! Je vais faire des appels de phare. Attendez, bah il est où? Où est-ce qu'il est, mon vieux? C'est quoi ça? Regardez, il y a un chapeau déjà. Ça, c'est un signe, mon vieux. Ma torche. Attends, je prends mes jumelles. Ça, c'est un signe. Il y a un chapeau déjà. Putain, il a tout barricadé, quoi. Ah bah, mon vieux. Bah, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Oui, effectivement, il y a eu de la mise à jour, mon vieux. Il y a même plus de fenêtres, il y a des planches partout maintenant. Les portes elles sont déjà barricadées alors que j'ai encore rien fait quoi. Ouais c'est délire. Attends on va faire un truc, ça je m'en souviens. On peut éteindre ça. Voilà, je pense que ça va le faire venir. Putain mais c'est fermé partout. Et comment je suis censé rentrer là-dedans moi? Tu m'expliques? Attends. Ah bah oui. Bah je sais pourquoi. J'ai oublié d'aller faire ma sieste, c'est normal. Il faut aller faire sa sieste. Voilà, là ça va commencer. Ouh regardez. Ouh. Il se trame quelque chose de bizarre. Ouais ouais. On va aller démystifier tout ça. Ça se dit, démystifier. Regardez ça. Regardez ça mon vieux. Intéressant. Ouais ouais. Vas-y fais le malin. Allez va. Ok on y va. C'est parti let's go mon vieux. Vas-y on va y aller. Putain il a déjà mis un piège mon vieux. Il est déjà parano quoi. J'ai encore rien fait. Il a déjà foutu des pièges dans sa baraque. Putain ce délire. Ok donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va s'attarder sur les autres pièces. Le coup de prendre le marteau, le coup d'aller détruire les planches, aller prendre le petit crochet pour aller ouvrir le cadenas, ça je connais, c'est bon. Alors aussi s'il vous plaît, me spoilez pas... Je délire. Me spoilez pas dans les commentaires, si vous me voyez galérer dans le jeu au pire, dites-moi bah faut faire ça, faut aller ici, il y a un truc à faire, mais dites-moi pas... C'est ça et ça se finit comme ça. Bah non, sinon vous enlevez tout le suspense, c'est pas drôle. Voilà, juste si vous me voyez galérer, et bah aiguillez-moi si y a des trucs que j'ai pas fait ou quoi. Je me casse. C'est fermé. Je pense qu'il y a une clé à trouver. Ok. D'accord, donc je suis déjà spoilé avec vos commentaires. Je sais qu'il y a un truc à faire ici. Instruction. D'accord, ouvrir le robinet. Alors attends, par contre il y a un truc que je voudrais bien faire. Il est juste à côté, putain il me stresse. Il y a un truc que je voudrais bien faire. C'est comment bloquer les portes. J'arrive pas à... Ah salopard. Putain merde. Je vais prendre quand même le marteau sur moi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec le marteau. Donc déjà j'ai vu qu'il fallait allumer la douchette là. Pour résoudre le premier
secret. Comment... Merde, donne-moi... Comment bloquer les portes, là? Comment on fait? Pour mettre les chaises comme ça, là, putain, comment on fait, bordel? Comment activer la douchette, mon vieux? Attends. C'est obligé, il y a un truc à faire, là. Il a allumé la télé. On se casse. Je vais prendre l'ascenseur. Putain, il marche pas cet ascenseur, mon vieux. Ah ! Non mais il est là, putain. Ah merde. Putain, fais chier, merde. Bon écoutez, il faut trop. Je me casse. Je suis mort. Oh putain, il est là. Oh putain, mais il va trop vite, ouais. Je me casse. Je suis chez moi, tu peux rien faire. Viens, je t'attends. Oh, je suis là. Oh, je suis... Il a bugué, je crois. Je crois qu'il a bugué. Oh non, il a pas bugué, putain, il a débugué. Oh non, merde. J'ai compris. Donne-moi... Attends. Je vais essayer de... Donne-moi la clochette. Voilà, ça y est, j'ai la clochette. Attends, je vais essayer de... Sauter. Yes, c'est bon. Putain, mais il est là, mais il est con, franchement, il est partout. Putain. Je m'en fous, je rentre chez moi. Allez, vas-y, viens là. Ok, c'est bon. Je retourne dans la maison. Allez, ça devrait le faire. Non. La clochette. La pelle. Donne-moi cette pelle. Non, je suis mort. C'est bon. J'abandonne. Oh, putain. Putain, mais dégage de là. C'est mort. Vas-y, fais péter. Donne-moi cette pelle. Vas-y, creuse, mon vieux, creuse. Vas-y, ouf ça, mon vieux. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Qu'est-ce que tu veux que je shoot avec ça? Hein? Qu'est-ce que je fous avec ça? Je m'en fous. Je rentre chez moi avec ça. Vas-y, mais avance. Vas-y. Je rentre chez moi avec ça, mon vieux. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça, mon vieux? Hein? Ça y est, c'est bon. J'ai fini le jeu. C'était ça? Non, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, là? J'ai pas compris, là. Quoi? Salut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, mon vieux? Je la mets là? Bah. Non? Alors, pour tout vous dire, j'ai pas lu tous les commentaires de spoil, parce que sinon, j'aurais fini le jeu en 2 secondes. Donc je me suis gardé quand même un peu de suspense et bah du coup il est vrai que maintenant je sais pas quoi faire avec ça dans les mains en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, mon vieux? Hein? Alors là, bonne question. Peut-être la mettre sur les toilettes, mon vieux. Non? Non, franchement, je... Pas un indice là? Oh, franchement, j'en sais rien. Je suis perdu là. Attends, faut peut-être la remplacer par celle-là. Non? Non, pas du tout. Mettre la clochette, ça c'est fait. Dégage! Lâche-moi la grappe! Putain, il vient chez moi! Ah, mais il est venu chez moi! Il est taré! Oh, regardez, il est chez moi! Je me casse! Putain, il est chez moi, quoi! Là, c'est pareil, il y a un truc à faire ici, là. Une clé, une pomme, une télécommande, un fusil. Bah, la télécommande, je peux la trouver dans sa salle à manger. La télécommande. Ouais, la télécommande. Voilà, j'ai la télécommande, mon vieux. Ça y est, qu'est-ce que je fais avec ça, là? C'est bon, là. Alors, les gars, hein? Attends, j'ai mon crochet pour ouvrir ça. Non, ça marche pas. Bah, franchement, j'en sais rien, là, je suis bloqué, là. J'en sais rien. J'ai la télécommande. Qu'est-ce qu'il veut d'autre, mon vieux? Attends, je vais mettre la télécommande là. Il veut une pomme. Une pomme et une clé. D'accord, map of the world. Putain, eh, franchement, je suis tranquille. L'autre, il est chez moi et tout. Je vais faire ça. Regardez les avions. Regardez, c'est hanté, franchement. Je vous dis, c'est hanté. 8. Ils sortent d'où, ces avions? Regardez!
Vous me croyez quand je vous dis qu'il est hanté? Alors? Putain, mais... Dégage-toi. Tiens. Ça y est. J'ai gagné, mon vieux. J'en sais rien, franchement, ça me saoule, là. Alors? Dis quelque chose, là. Regardez ça, il y a des avions en papier qui volent de partout, des boulettes de papier et tout. Ah, c'est bizarre, c'est quand je me tourne. Regardez. On se fout de ma gueule. Tiens! Prends ça dans la gueule, mon vieux. Prends un mannequin dans la gueule. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut faire avec ça, mon vieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'appartement, il est hanté. Eh ouais, je vous avais pas raconté de conneries. Alors, réveille-toi, mon vieux. Regardez-le, on l'a jamais vu d'aussi près, quoi. Bon, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que tout va bien qui finit bien. Finalement, eh ben, moi et mon voisin, on est devenus amis. Regardez, on va se faire une petite bouffe et tout. On va peut-être même aller faire une petite sieste tous les deux. Allez savoir, on sait pas. Bah, si vous avez des idées, bah, dites-le moi dans les commentaires, parce que franchement, j'ai rien compris. Hein. À part le coup de l'appel, choper le mannequin, et puis voilà, c'est tout, quoi. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde! Bye!